Mesdames, demoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Samedi, le 2 octobre 1921, nous émettons à partir de Johannesburg et nous parlons de la République démocratique du Congo. Nous sommes une chaîne YouTube, Facebook, sur les réseaux sociaux. Nous essayons d'apporter notre contribution pour la reconstruction de notre pays. Nous avons qu'un seul pays, malgré que nous sommes ici en Afrique du Sud, où ce samedi il pleut abondamment, mais les gens continuent quand même à se déplacer, ce qui est contrairement à Kinshasa, contrairement à ce qui se passe à Kinshasa et même dans la plupart de nos régions, dans la plupart des villes de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous connaissons la situation parce que nous y sommes de temps en temps. Nous débattons tout ce qui est actualité, tout ce qui est choses que nous pensons peuvent contribuer à la reconstruction. Tout ça, on a capté pour ko finga ou quoi que ce soit. D'ailleurs, nous n'injurions pas les gens ici. Ici, nous abordons le sujet qui vont dans le respect de la construction. Comment est-ce que notre pays peut sortir de ce marasme, de la mégestion et de cet imbroglio dans lequel nous sommes plantés depuis un certain temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous allons parler aujourd'hui des décors qui est planté. Pourquoi est-ce que Batoubakomi, processus électoral, toujours là, on a 2023, et qu'on est mal à monter. Qu'est-ce qui se passe? Origine, nos amis. Nous allons parler de ce point-là. Nous allons parler aussi de l'état de siège, encore une fois de plus. Na côté Nabiso Sikoyo, il y a population. La population est meurtrie, bandeko na yeb sa kibino, awa na lobby. Que la population de Boutembo Beni est en train de préparer quelque chose pour le 15 octobre ici na moi Oyo. Nous allons en parler. Nous tokolobela ngo parce que eza likambo moko eza kozwa biso eza sala biso passé. Même ici où nous sommes, ce qui se passe dans notre pays eza makambo somo eza makambo mawa. Nous allons parler aussi de la gestion de nos provinces. Pourquoi est-ce que Batou, on vous parle, vous allez entendre beaucoup de journalistes, ah yo salani n'est pas nabino, yo salani n'est pas nabino, yo makambo yo boyaka kana Kinshasa ao. Le système qui nous régit, c'est ce qui a fait que Batou mingi baye na Kinshasa. Nous allons en parler si nous avons le temps. Alors avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre 3 sigils. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Beni, l'armée prend les mesures pour réduire la capacité de nuisance des groupes armés. Et puis à Ouélé, Christophe Bazaïne Nanga s'entretient avec la délégation de Pired à Isiro. On va sur actualité.cd. Ituri, violent combat entre l'armée et les miliciens ce samedi dans plusieurs villages proches à Bounia. Et puis, le dossier RAM, un nouveau délai de 48 heures accordé par l'Assemblée nationale au ministre de PT Ntika. On va sur Congo profond. Coca, 30 dossiers déposés, Mbaye au candidat unique à la présidence. Et puis l'Ituri insécurité fait grimper le prix de transport en commun et du carburant. On va sur 7 sur 7. Environ 2 millions de nouveaux inscrits attendus pour la rentrée scolaire prévue ce lundi. Et puis, projet Perse, lancement officiel à la campagne de signature à l'acte d'engagement du code de bonne conduite du personnel enseignant. Nous terminons par Radio Okapi. FAO plaide
plaide pour l'augmentation du budget pour l'agriculture afin de faire face à l'insécurité alimentaire. Boutembo, hausse des prix des fournitures scolaires sur le marché occasionnée par l'insécurité. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. Les lots, en tout cas, je peux vous dire que l'actualité, disons, l'actualité est là. Mais, Toloba Keno, il n'y a pas un sujet qui est sorti à part l'Ikambwaba. Il y a Baram Oyo, Batwaza Kofinga, le ministre et tout ça. C'est comme si Yende Mutoyak qui n'a projet Wana, a un projet Wana pour le faire mériter. On l'a nommé pour comme ministre. Il y a PTNC, ce qui nous a toujours surtout. Nous connaissons comment les gens arrivent dans le pouvoir Nabisso. Donc c'est ça justement. Et puis, c'est ça l'actualité qui domine pratiquement. Et puis, à l'est de la République démocratique du Congo, il y a un état de siège, surtout dans le côté de Yanani, à Bounia, à Ituri. Les véhicules continuent à être brûlés et tout ça. Donc ça, c'est vraiment très malheureux. Alors, entrons dans le vif de notre sujet. Nous allons parler un peu de ce qui se passe dans ma Kambwaba élection. Processus électoral, Bandeko, il ne faut pas que nous puissions nous voiler la face. Si même Félix veut avoir un deuxième mandat, ça ne sera pas par un forcing. Par un forcing, ça signifie que nous ne sommes pas en train de vouloir construire ce pays. Plan à eux, il a construit Mboka Oyo et s'imiter. C'est comme ça qu'on a forcé que Babilo Kwangwe Salema. De mon côté, je vous ai toujours dit que Ngaï, de mon point de vue, si j'étais à la place du président de la République, l'Ikambwa a élection à l'Igaï Kana sur soir et Angonanou. Si on va me taxer comme on a sali coup d'état, ma fou, pourvu que le Congo puisse se relever, pour que nous puissions mettre les bases. Il y a moi un titulaire qui partit dans le lobby, bah décor ni niango. Quels sont les signes qui montrent que non, changement est à koya. Nga na ye pour na ko changer. Je ne viens pas pour m'éterniser au pouvoir. Ceux qui viennent pour s'éterniser au pouvoir vont chercher à récupérer Kakama Babana et les élections. Oh non, les élections. Qu'est-ce que les élections nous ont apporté dans le pays Oyo? Bah, élections qui ont bien, ceux qui ont tout, tout ça là bas élection t'es capable de nous sépeler ça va m'indéler. Tout ça là bas élection t'es capable de nous sépeler ça. Une certaine classe dans le monde que non notre pays nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin à ce que notre pays puisse être assis sur des valeurs, valeurs démocratiques. Mais les valeurs démocratiques ne viendront pas avec les élections, malheureusement. Moi, ça, c'est mon point de vue. Les valeurs démocratiques ne viendra pas s'imposer par les élections. Nous devons prendre le décor. Il y a Kolobanini, il y a Kopé Sabatouba responsabilité. Juste pour conclure, parti haut, Nana Pesapé, le point de vue, la solution, Otoza quoi apporter dans les locaux haut. D'abord, avant d'aller à côté à la solution, le processus est biaisé par le président de la République lui-même. Comment est-ce qu'on n'a même pas encore un bureau? Vous savez, quand quelqu'un, par exemple, commence à faire votre campagne sans votre point de vue, nous nous posons la question, comment Mboso peut commencer à faire la campagne sans que même à tape Nania Seigneur Sie Salemi? On commence à faire les campagnes pour les élections en 2023 sans même l'aval du président de la République. Je crois que les gens, beaucoup de personnes ont compris que Tshisekedi est en position T. Tshisekedi est en position T. On va faire ça. Asa na idéal T.
C'est comme ça que Mboso peut se permettre à Koloba. Non, union sacrée, pourquoi? Parce que ça c'est un vicieux, ça c'est un vicieux. Moi je peux dire que c'est l'ennemi principal de la, du président de la République. C'est l'ennemi du peuple congolais, Moutouaza Kobiazé Babiloko. C'est lui qui devrait en principe être gardien à Koloba. Campagne. Personne ne peut se dire qu'il sera candidat pendant que ma machine électorale n'a pas été. On n'a pas encore mis les processus électoraux en place. Les gens commencent à se dire que non, c'est notre candidat. Et ceux qui sont au pouvoir commencent à dire que non, nous gagnerons les élections sans que vous ne sachiez même pas. Et là, on y n'engouffre pas. Le bureau électoral ne sont même pas encore là. Je parle ici du professeur Mbata. C'est honteux pour un professeur. Et puis ce sont ces mêmes gens-là qui sont au Parlement. Oh, Bazakosala et l'abisson Mibeko. Moutouana Kosala Mubeko en Nengenini. Oh, et Kosala partial. Oh, et Kokendeketi. A Kosala Angoneni. Il est là justement pour protéger le président de la République, leur candidat. Tout le monde dit que c'est le président de la République, nous voulons lui donner un deuxième mandat. Mandat peut s'amaka boete. Bande koza, il faut que tout tient bon cannabis na ba jalon et à développement. Ça, c'est quelque chose qui m'écœure. Tant on a ça comme on a vu le koezo salema, et on peut s'en pas si n'habite. Bamboka Moussou, on est Titozali Awa. Bientôt, les élections municipales vont se dérouler ici. Il faut comment est-ce que Batoubaza pose Mama Kamunaba ou Azo Salango. Nalomite que Kokoso est Zalite. Et ça n'a pas moi, Kokoso, mais vous sentez que les gens, Bazo Sala, Makambo Oba Yebi. Chez nous, nous sommes vraiment en désordre. Toebite, ce qui Tozo Sala Nini. On ne sait pas. Deuxième sujet, on a ça kolinga na lobela na zwana numakambwa état de siège. Hein? Ce qui se passe réellement à l'est de la République démocratique du Congo. Encore une fois, le militaire ayant compris que le président de la République ayez bien le quazo salaté, ils sont partis le voir en lui disant. Voici mon conseil, de mon conseil. Vous savez, il y a une chose. Que biso ba congolais, surtout ba to baza na pouvoir, o ba yaka na pouvoir. Akoki koya na ma ambition mon kobo. Moi je vis le président Kabila, le père. Nous avons enfin je le vis faire sa face comme ça chez le gouverneur Nananda quoi gouverneur à Bukavu, c'était en 96. Lorsqu'il il arrivait là pour ça, la meeting à Liboso, tout ça, il avait reçu les journalistes. Nous étions là. Vous sentiez quelqu'un qui avait des idéaux. Azaki n'a pas idéal. Et je crois que c'est le meilleur de nos présidents que on aille jusque-là, on a mona, au père Azako Loba, à Kosal. Et puis malheureusement, à Koufaki. Quand je vois Tshisekedi venir au pouvoir avec toutes ses ambitions, je commence à comprendre que Balaki Meza est belé na Katia Kolobanae. Nous ne sentons pas quelqu'un qui veut venir implémenter un système pour venir le changement. C'est là où je dis quels sont les points d'ancrage où la population peut se dire que non, changement est allé. Nous continuons à nager dans les déclarations inutiles. Nous continuons à nous dire, oh non, voici, nous allons faire ceci. Nous, togotonge la bino babalabala, togotonge la bino boe. Oh, ma sauce kokita. Tout ça, c'est de la démagogie. On passe à côté des réelles solutions et mboka, oh, ezan ango besoin. Mboka, ezan a besoin, ango, ni nyango mboka, ezan ango besoin pour que tout décolle. Il faut d'abord comprendre le système dans lequel nous sommes. Émission Nanga passée, je vous ai mis une petite vidéo entre Tshisekedi et Ngunz Karlibon qui discutait justement sur l'Ikambo. Oh, il y a système Ninyango et ça. Il parlait la même chose. Moko lobby décentralisation, Moussouso lobby fédéralisme. Le grand problème de notre pays, c'est là.
C'est là le problème de notre pays. Décentralisation, c'est ça que le pouvoir est à Kinshasa. Tu délégué moi le pouvoir. Le fédéralisme, selon moi, c'est ce que le peuple est en face de la terre, en interrogeant la terre, que terre n'a pas été awa. Na kolia na kotonga yom toko sala ngai, il n'y a personne. Pourquoi aujourd'hui les choses ne marchent pas? Pourquoi il y a des guerres à l'est? Pourquoi il y a les guerres à l'est? Bandeko, ces militaires aujourd'hui nous avons des informations que bazaba commerçants. Ce sont des commerçants. Bazako utilisé ba tout ce sont. Non, nous avons l'état de siège ne réussira pas. Par contre, elle enrichira certains militaires. Batou o bazawana. Tshisekedi aza souboul, bakangi e kaka balobite. E kozala bien. Bazo soukouma e kaka balobite. E kozala bien. Kobanga te. Toko sili sa likambwana. Toko sala boe. Toko sala boe. E kosila. Bandeko likambwa este kosila na mando kite. C'est là où je viens. Na likambo oyo bana beni na butembo bazako préparer pour na les 16. Il se prépare ba bazako se préparer que non tout oyo biso na ba soldat to komona. To koboma tout ce qui est l'état. Tout ce qui est militaire parce que nous savons que militaire na Monisco, il y a même des chansons qui sont lancées. Na za kolobela ngo mais moi je dis ceci bandeko. Je ne suis pas d'accord na likambo bazako lo baba kokata donc les enfants de Beni Butembo donc et cause la guerre civile ya solo ce sont quelqu'un na sans wana parce que le militaire ne se laissera pas faire ba kuboma ba to ebele tant mususu pe na ba militaire pe ba to ba okufa. Je dis tout simplement aux enfants de Butembo que ça les makande ngwana te et ça les makande ngwana te. ADF tango azako boma yakate koloba ke non akoya koboma bino lobité. La révolution devra il faut surprendre batou. Déjà se biaiser que non bozo la révolution, c'est-à-dire que bozo mona kaka ke muto azali boso na bino azamunguna. Acha nibambie mu Kiswahili hapa, jou musikie bien. Mina sema hivi, ima ma message yenye muko munatuma ke non les 16 ou bien kama ni les 16 kama ni les 15. Octobre, kutakuwa révolution, kukata batu vichwa, ya kukata basoda, tout ça, kukata. Haiko mzuri. Na hamwezi laga mutu ke minda kia kukuiba kesho, abikuwake vile. Mina wazi nafaa kureflechir na muna ingine ya kufanya. Ya mwaye de faire ça bien. Kuko mwaye ya kujiorganize mzuri. Parce que pouvoir, peuple anaganyaka toujours. Je dis ceci. Ce sont les militaires qui tuent à Beni, qui tuent à Butembo. Oui, c'est vrai.
Mais si population, il faut tout l'angalier, namna gani tout à fait. Marche, oui, mais marche, il produit, namna gani. Kuko moyen ingine akufanya ile vitu autrement. Je peux annoncer que, kama tunaenda, mubitu akufanya fanya fujo, hatuta réussir. Tukue kimia na tupreparer vitu yetu. Mpaka saka msa ya liberation yetu tutaifanya na tukua tunaipreparee. Hapana kwanza kulalamika seme tutaua hapana. Haviezi kamata ile solution haviezi kamata hata kidogo bandugu yangu. Mina waza pale tunaweza sikilizana na tusaidiane vrema kuangalia namna gani tunaweza kufanya kazi mzuri. De façon que Kinshasa iyue kama kuko batu kule na batu benye kulongo biko na lazima ya kulongo wabu ya kuikala kwabo na amani. Banapenda amani kwabo. Na banajua mwenyeko na uwa batu. Kama batu baneza kuungana tu bien na banasikilizana, mina waza tunaweza kujitosha mosie peki. Tunaweza maliza hii mizozozozo yote yenye kongambo ya este. Alors, la troisième partie pour terminer cette émission, c'était justement pour vous parler un peu des gens qui commencent à dire que non, écoutez, ce pays est arrivé ici, Kabila toujours. Nous continuons à vivre dans le passé, Bandeko. Moi, je me dis ceci, Mutoyo aza kolinga azwa pouvoir. Il vient pour s'enrichir ou bien tout ce qui on peut citer à Wabatu onyo surtout baza kolinga bakoya ko poser ba candidature na bango pour que baza la président de la République. Quels sont vos projets de société? Toujours il faut que nous puissions connaître que le peuple congolais puisse savoir quels sont vos idéaux. Je suis en train de constater qu'il y a des partis politiques. Beaucoup de gens y adhèrent, d'autres suivent l'argent, d'autres suivent des fanatismes et tout ça. Et tout ça, c'est ce qui me continue à renforcer ma conviction en disant que non, les élections pour le moment, je crois que comme nous avons un président que tout le monde sait que non, Oyo Mutunabiso, ça c'est notre président, nous pouvons le reconnaître, tout le monde le reconnaît. Du sud au nord, de l'est à l'ouest, tout le monde sait que Tshisekedi c'est le président de la République. Et il peut prendre des décisions qui peuvent être acceptables par la population si cela va dans le bon sens de remettre le pouvoir à la population. Parce que dans cette partie ici, nous allons conclure comme toujours nous concluons. Quel est le vrai sens du changement? Et comment y parvenir? Les amis, l'unité nationale et la paix ne peuvent que s'obtenir par le pourparler, par des discussions, par des colloques, par des conférences, par mettre les communautés ensemble en leur disant trouvez la solution et la solution que vous trouverez c'est celle-là. Il n'y a personne qui pourra être au-delà de ce que vous diriez. Et vous allez dire comment implémenter vos solutions. C'est ce qui se passe dans les conférences de paix que nous sommes en train de voir, la conférence de paix au Salemina-Fizi et tout ça. Pourquoi ça échoue? C'est parce que les commanditaires ne sont même pas là. Ceux qui tirent les ficelles ne sont même pas là. Vous allez voir que dans ces conférences-là, les acteurs principaux ne sont pas là. Or, il faut absolument que le président Tshisekedi puisse arriver à remettre les gens, le pouvoir, par exemple en disant les 145 territoires, que personne ne puisse venir vous dire quoi que ce soit. C'est pour cela, moi je disais que pour y arriver, le vrai schéma c'était le sursoir, d'abord ce parlement, et le Sénat, Bakwa Isana ou Babilo Kwana. Quand le Sénat et le Parlement sera tombé, et nous pourrons proclamer une transition vers la 4e République où le peuple se prendra en charge
Et comment le peuple doit se prendre en charge, c'est dans les territoires et non pas à Kinshasa. Que qu'il n'y ait personne à Kinshasa pour dire que non, na physique ou nande na yebi. Non, ne faites pas ça. Non, le trafic d'influence doit terminer. Ce qui tue à Goma, ce qui tue à Beni, ce qui tue à Nisiro, c'est le trafic d'influence. Les gens qui sont là, ils ne savent pas se contrôler à cause des gens qui sont qui les téléguident, qui sont à Kinshasa. Le vrai auteur de ces massacres, il ne se trouve pas sur le terrain. Ceux qui se trouvent sur le terrain, ce sont que les gens qui sont commandités. C'est dès lors, lorsque le pouvoir sera remis dans les mains des territoires et qu'on dira tout ce que les territoires décideront ne devrait que s'implémenter. Ils doivent se donner leurs moyens à se mettre ensemble pour que la paix revienne là-bas et qu'ils viennent avec cette solution-là au niveau central. Dès que cela sera fait et que les gens pourront commencer à apprendre, à avoir des solutions dans leur milieu, c'est dès lors que nous pouvions trouver une solution au niveau national. Les solutions que Kinshasa peut aller dire là-bas à téléguidant, non, vous devez faire ceci, vous devez ceci, cela est terminé depuis longtemps et que les Congolais n'ont pas encore compris. C'est ça le problème. Et moi, je crois le vrai dirigeant qui va venir aujourd'hui, c'est celui-là qui apportera le changement en disant que non, à partir d'aujourd'hui, les décisions, nous avions la décentralisation qui a été déjà proclamé depuis longtemps, mais les gens, l'ennemi du peuple ne veut pas l'implémenter. Dès que les territoires auront leur processus en disant que non, le territoire est tout, mon territoire est tout à Fizi. Si va tout à Fizi, tout qu'on va ngapi, tout qu'on 20, je prends des exemples comme ça, tout qu'on 20, alors oui, 20, tout n'a tiré 14 watakuwa wa soda wa kuchunga oro yetu sitokake. Na oro yetu takuwe na uzishiwa hapa kontuare yetu, mali ya watu yote iprofite kusie wote. Batoto ya teritwari ya Fizi. Eseja batoto ya teritwari ya Fizi wanasikilizana wanayua seme, hapa ni hivi, ni hivi, ni hivi. Makoso unafanya hapa njo tutakupinira utenda Kinshasa. Et là, ça c'est ce que je dis, j'appelle l'encre, le cran Yakotia Misisa pour la démocratie Asika, pour la Mboka Asika. Lorsque les gens commenceront à trouver des consensus, en sachant que Moutou Anakouya, Tounayo Anakouya Fanini, il vient faire quoi chez nous? C'est qui? C'est nous qui devons autoriser les miniers à venir exploiter les mines dans nous, et c'est nous qui doivent être en contrôle. Et nous créons ce paradigme là à Kosloba. Batuna batu baza en contrôle na babilo konabango. Makamba trafic influence est à la kate. Que Kinshasa ne puisse pas commencer à dire que non. Mais maintenant, c'est dans cette diversité là qu'on pourra trouver un mécanisme afin que qui pourra aller à Kinshasa. Et celui qui peut aller à Kinshasa dans le gouvernement central devra répondre, pas au président de la République, mais au peuple. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Tout le monde dit, oh, c'est grâce à la vision du président de la République. C'est comme s'il n'y a qu'une seule personne qui réfléchit dans ce pays. Bandeko, ce pays, vraiment, ça nous donne de maux de tête lorsque nous voyons tant que nous sommes tous les gens qui sont tous les gens qui sont tous les gens. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. En tout cas, pour terminer, je voudrais encore lancer un appel à tous ceux qui nous regardent, qui n'ont pas encore pris le courage de s'abonner. Abonnez-vous. C'est par vos abonnements que vous m'encouragez de faire les recherches, de commencer à réfléchir pour donner ces solutions qu'il y a d'autres qui sont en train d'adopter. J'ai eu beaucoup d'appels. En tout cas, beaucoup, ça veut dire plus de 10. Il y a beaucoup de comment est-ce que beaucoup de gens état de lieu, province, il y a territoire, il y a territoire.
Beaucoup de gens me posent la question, est-ce que les 1 million que le président veut brandir et Kosala et l'autre comme côté dans le territoire, j'ai dit qu'il est en train de faire une aventure. Bon s'abonner dans le continent dans l'Isoloana. Ce n'est pas que je suis en train d'échouer à plate couture. Il y a moyen de le faire. Mais tout tourne à bientôt vendre, tout vendre ensemble, tout yeba. Comment est-ce qu'on peut arriver à cette solution-là? Les lots ont bon, ce que l'obino, ok, nous coupons ça 2 millions dans le territoire Fulani. Bon, on est comme ça, la paix est de mon côté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un mécanisme de contrôle au niveau même du territoire. Il faut que l'on soit à la créer avant d'injecter l'argent. C'est comme si on avait un goto kamaï, na katia kitunga, madofo, les ebele, bele. On a un goto kosuka nangoa. Tu ne feras même pas un mètre. Ma exili. Et tous les projets qu'on est en train de faire dans ce pays, et comment on en a caté à cause que ce n'est pas le bon moment. Nous n'avons pas encore eu cette cohésion nationale. Babylone, quoi, pour protéger les biens communs, n'existe pas encore. C'est ça qu'il faut commencer. C'est par là que je parle de la fondation du pays et de la 4e République. Abonnez-vous nombreux, s'il vous plaît. Partagez nos émissions. Surtout, quand vous vous êtes abonné, cliquez sur la cloche pour que vous soyez avertis lorsque nous mettons de nouvelles vidéos. En tout cas, merci encore beaucoup pour ceux qui sont à Onuganda. Batubele baza kolanganga na Uganda, c'est à Kampala. Il y a en tout cas une dizaine de personnes qui m'écrivent et qui réagissent tous les jours à mes émissions et qui le partagent. Je suis vraiment de cœur avec vous. Donc, merci beaucoup en tout cas. Vous vous reconnaissez ici à Contact Pro Live. Sachez que nous réfléchissons et nous donnons les solutions pour que le pays n'abissoit que les libosos. Merci beaucoup. On se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.